Je profite de cette petite marche pour évoquer ce sujet qui m'a scandalisé. Je rends grâce à Dieu de ce que même dans ces pistes de sous-bois, nous avons la connexion. Je suis avec Comfort à côté de moi. Mais comme elle est tellement timide, elle ne voudrait pas que je lui montre, je montre son visage. Sauf si elle peut dire bonjour sans caméra. Bonjour, bonjour. Voilà. Alors, soyez les bienvenus à ce live improvisé. Nous aurons une petite causerie sur les faux pasteurs. Tous ces pasteurs qui ont fait la nuit de la traversée, qui promettaient que la vie devait changer, les gens devaient avoir les millions. Je sais que c'est peut-être tôt de vous poser la question, où sont vos millions? Où sont vos maisons? Et comme vous voyez dans le titre de la vidéo, je vais parler de Ntengue. Et c'est un jeune influenceur qui a dénoncé Ntengue de manière vraiment de très belle manière. Il a dénoncé Ntengue. J'ai été invité dans une église pour la nuit de la traversée. Je suis arrivé. Qui disait des choses, mais mon Dieu, écoutez-moi. Si je suis vraiment un influenceur, si j'ai une quelconque capacité à changer votre analyse et à vous influencer, aujourd'hui je veux le faire. J'appelle les millions, j'appelle les millions, j'appelle les millions au nom de Jésus. L'argent répond. Et cette année 2024, l'argent va vous répondre. Non, tu n'as pas donné un bon amen. Je dis que cette année 2024, l'argent va te répondre. Quelqu'un me suit ici? Cette année, l'argent va d'abord passer par toi avant d'aller bénir quelqu'un d'autre. Non, tu ne m'as pas suivi. Tu ne m'as pas compris. Je dis que les anges de la prospérité vont se mettre en mouvement pour toi au nom de Jésus-Christ. Vous allez ressentir l'onction quand vous allez voir ceci. Affichez la maison. 2024. Quand vous allez voir ceci, Rachata Rebe, Mareke Seteke. Quand tu verras ceci, affiche encore. Ça là. Tout à coup, tu sens, est-ce que tu sens déjà le nouveau manteau t'appeler? Est-ce que tu sens déjà la nouvelle dimension t'appeler? Est-ce qu'il y a une troisième photo? Il y a une troisième, vas-y. Ou bien quand tu verras ceci, dis ça c'est mon compte, ça c'est mon compte. Ça, c'est mon compte bancaire. Avant le ciel, il y a une vie sur la terre. Tant qu'à faire, je vivrai la meilleure vie qu'il y a ici sur la terre. Je roulerai dans les meilleures voitures. Je voyagerai dans les meilleures classes. J'habiterai des meilleures maisons. Je mettrai des meilleurs vêtements. Abraham a vécu sa meilleure vie ici sur la terre, c'est pas moi qui vais vivre une vie médiocre. Si Salomon a vécu une meilleure vie sur la terre, ce n'est pas moi qui vais vivre une vie médiocre. Si Jésus a vécu une meilleure vie sur la terre, ce n'est pas moi qui vais vivre une vie médiocre au nom de Jésus. Et ce ne sera pas toi au nom de Jésus. Je prophétise une vie meilleure en 2024 au nom de Jésus. My God, je vais la vivre tellement en abondance. C'est-à-dire que dans abondance, là, vous allez mettre plusieurs B, plusieurs A. Ah non! Abondance! Tant pis pour les jaloux! Ah, tant pis pour les jaloux! Je te pose une question. Si on te donnait déjà 5 millions, je te garantis, tu serais revenu à l'église resservir le Seigneur. Là maintenant, on te donne 5 millions. Donc mon message est vrai. La pauvreté éloigne de Dieu. La parole de Christ ne peut que rendre riche. On n'est pas chrétien pour être riche. On ne vient pas à Jésus pour avoir des millions. Quand Jésus était dans les déserts, le diable lui a proposé toutes les richesses, les royaumes, les principautés. Il a refusé. Il a refusé les richesses. Il était le roi des rois. Il n'est pas né à l'hôpital. Il n'est pas né dans un palais.
Il n'est pas né entouré de domestiques, de servantes, ni de soignants entourés d'or. Il est né dans une étable. Il est né à côté d'animaux. Il est né simplement. Mais toi, chrétien, tu écoutes un pasteur qui te dit qu'un chrétien est riche. Un chrétien ne prie pas pour avoir de l'argent. Un chrétien commande, le monsieur a dit, un chrétien commande à l'argent de venir. Le monsieur a montré une photo de Porsche. Il a dit en 2024, dans le nom puissant de Jésus, vous aurez une Porsche. Dans le nom puissant de Jésus, 2024, vous aurez 1 million sous votre compte en banque. Dans le nom puissant de Jésus, vous voulez une grande villa. Ils ont projeté l'image d'une villa. Hey, à quel prix tu auras tout ça? Tu penses que le million va descendre comme ça? Tu devras sacrifier des choses pour avoir ce million-là. Et Jésus ne nous appelle pas à être des millionnaires. Monsieur dit même un moment qu'il y a des gens qui ont quitté l'église parce qu'ils voulaient de l'argent, ils n'ont pas eu l'argent. Du coup, ils ont quitté l'église. Demain, ton mari perd son travail, tu vas lui demander le divorce. Si tu le fais, c'est que tu n'étais pas pour lui par rapport à lui, mais tu étais pour lui pour ce qu'il pouvait te donner. N'aimons pas Dieu par intérêt. S'il vous plaît. J'étais là, j'étais assis, je vois des jeunes de 18, 19, 20 ans. Amen, amen. Dans le nom puissant de Jésus, on sera riche. Amen. Prospérité. Les gars, tout ça c'est vanité des vanités. C'est écrit dans le livre d'Ecclésiaste. C'est de la vanité, tu ne partiras avec rien dans ta tombe. Mais les choses sincères, les choses profondes, ça, c'est pérenne. Ça, ça va durer dans le temps. Ces gens qui ont fêté bonne année, joyeux Noël et autres, qu'est-ce qui a changé dans votre vie? Qu'est-ce qui a changé? Vous êtes les mêmes personnes. Rien n'a changé. Les années, ce n'est que l'invention, ce n'est qu'une illusion. C'est la plus grande illusion qui soit. J'espère que tout le monde me suit. Tout le monde me suit. Partagez. J'espère que tout le monde me suit. Alors, qu'est-ce qui a changé? Rien n'a changé. Sauf le fait que certains sont foirés, fauchés. Parce qu'ils ont été emportés par la fièvre festive. Les dépenses démesurées. Les emportements des fêtes, la bombance, les orgies alimentaires, l'ivrognerie. Au point où je regardais un posting sur Facebook. Quelqu'un qui dit qu'il est allé tranquillement lui prendre ses sept petits verres de tequila, qui est un alcool mexicain. Et quand il revient, les jaloux du quartier ont déplacé le quartier. Vous voyez ce que le vin peut faire? Le vin peut faire. Alors, on va évoquer de bons sujets aujourd'hui. Y compris l'abominable Kanguka qui a fait il y a quelques jours une conférence, une croisade avec le pasteur franc-maçon kabbaliste Marcelo Tinassi. Si quelqu'un doute que Marcelo Tinassi est un franc-maçon, un sataniste, c'est que vous n'avez pas suivi nos émissions. Et regardez donc comment mes frères et sœurs. Good morning. Regardez donc mes frères et sœurs comment Kanguka fait une croisade avec Marcelo Tinassi. Si vous doutiez que Kanguka n'était pas sataniste, vraiment c'est choquant. Cette croisade de Bujumbura avec Marcelo Tinassi. Kanguka est dedans. Il fait partie des pasteurs francs-maçons de la criminalité évangélique en bande organisée. On va les dénoncer. Donc partagez. Jacques Zibi, partage. Armando Mavinga, partage. Que Dieu te bénisse aussi, Armando. Partagez. Ce sera un live improvisé. Je rends grâce à Dieu de la technologie de ce que même très loin de la maison, sous les sous-bois, nous pouvons avoir la connexion fluide. Et partagez pour que Facebook sache que c'est légitime. Le vieillard en train de regarder cette émission, Rose et Yvette Bécou. Elie, blessing dit bonne année. Non, Elie, il n'y a pas de bonne année pour nous. Ne me souhaitez pas bonne année. Si vous lisez bien la parole de Dieu, sur la base de Galates chapitre 4, verset 10, l'apôtre Paul
reprenez les Galates qui observaient les époques, les années. Donc nous n'observons pas les anniversaires, les années. Parce que la seule année que nous observons, c'est l'année de grâce qui a commencé avec la montée de Jésus-Christ au ciel et qui se termine avec son retour. C'est une année de grâce, donc il n'y a pas la bonne année. Il y a Armando qui veut mon contact. Excusez-moi, il fait très froid. Mon contact WhatsApp, c'est en même temps mon contact Telegram. C'est le plus 1, l'indicatif des États-Unis, plus 1, 832, 773, 11, 36. Je reprends, plus 1, 8, 3, 2, 7, 7, 3, 1, 1, 3, 6. Je reprends, plus 1, 832, 773, 11, 36. Alors, vraiment, Alain dit, qu'est-ce qui a changé? Rien n'a changé. Hein? Les gens qui disaient, joyeux Noël, bonne année, ils crient. Rien n'a changé. Qu'est-ce qui a changé? C'est le même monde, c'est le même temps. Ce qui a changé, c'est que il y a beaucoup de foirage, beaucoup de fauches, beaucoup de disettes dans les familles. Ouais. Donc voilà, Armando, c'est Mavinga. Voilà. Et mon email aussi pour ceux qui veulent se connecter. Mon email, c'est George.nama@gmail.com. George France avec S. George.nama@gmail.com. Morning. Donc, voilà, mes frères. Alors, un jeune influenceur, commençons dans le sujet, nous sommes déjà 123. Un jeune influenceur a dénoncé l'abominable nuit de la traversée avec Tengue, où Tengue projette les Porsche sur le mur, il projette la villa, il dit, vous aurez ces Porsche, vous aurez les millions, vous aurez ceci. Et un jeune influenceur l'a dénoncé. Depuis qu'un Tengue fait ses veillées, combien de Porsche il a eu? Depuis qu'il enseigne cela, non, confort ne rit pas. Depuis qu'il fait ces choses, combien de Porsche il a eu? Combien de maisons il a eu? Après, il baisse la voix, il supplie les gens, donnez l'argent. Il commence à sautiller comme un orang-outan. Les jaloux vont mourir. Donnez la dernière offrande de l'année. Et quand il parle de dernière offrande de l'année, la voix baisse subitement. Il devient calme, les jaloux ne vont plus mourir. Vraiment, c'est terrible. C'est terrible, mes frères et sœurs. Essayons d'amener le nombre de vues à 200. Pour montrer à YouTube que c'est... Comme les gens sont en train de mourir de rire sur, non, sur ce que... Non, tu peux faire des commentaires confort. Ouais, c'est terrible. Parce que vraiment... Hein? Comment quelqu'un peut pousser les gens à la convoitise? Hein? Tu demandes à quelqu'un d'imaginer quelque chose, mais toi, tu n'as pas. Tu n'as pas, tu imagines, voilà. Chaque donc, année, tu demandes d'imaginer voilà. Quelque chose, mais tu n'as pas. Tu n'as pas. Ça fait plus de 10 ans. En 10 ans, tu n'as pas pu toi-même déjà avoir la force. 10 ans, toi-même, tu n'as pas pu avoir la force. Mais ceux qui t'aident à manger, ceux qui t'aident à subvenir aux besoins de ta famille avec leurs enfants. Vraiment. C'est à eux que tu dis qu'ils auront les Porsche et les... Vraiment. Je ne comprends pas. On ne comprend pas. Donc, c'est terrible vraiment, mes frères et sœurs. Et c'est un jeune homme, un jeune influenceur qui le dénonce. J'aimerais entrer en contact avec ce jeune. L'interviewer, il dit, comment tu as eu ce discernement? Et encourager ce jeune à devenir chrétien. C'est un jeune homme, il a été invité, un influenceur en France, qui a été invité à la nuit de la traversée de l'escroquerie évangélique de la rapide. Un escroc. Et Tengue, pour ceux qui ne savent pas, est de la même région que mon épouse. Il est de l'Ibamba. Il est, je ne sais pas, de la Gouyé, la province plutôt. La région, la province. Yeah, you're fine. Yeah, you're fine. You're good.
Donc, c'est les gens comme nous qui profitent de l'air frais matinal. Il est 11h47 au Texas. Alors, mes frères, regardez, Tengue, qui escroque les gens? Ce qui escroque, grâce ivoire, il n'y a pas de quoi. Voilà, partagez, partagez. Hein? Ouais, j'ai promis, je ne savais pas que je devais faire le live. En fait, confortez-moi le temps que de discuter, de parler, pardon, de causer. Et c'est elle, donc on faisait les commentaires sur la vidéo de Tengue. Et dans mon cœur, elle ne savait pas qu'elle m'a mis l'idée d'un live. Que non, laisse-moi un peu parler de ces choses. Je serai un peu pris professionnellement, sur le plan professionnel. Je serai pris jusqu'à mars. Je n'ai pas assez de temps. Donc, je profite de marcher. Voilà, c'est une occasion de faire... d'édifier. Voilà. Fleur Doris dit, j'ai suivi la vidéo de cet influenceur. Vraiment. La vidéo est sur nos pages YouTube et sur les pages Facebook. Allez suivre. Vous serez choqués. Vous serez vous-même choqués de ce qui s'est passé. Oh là là. Un jeune influenceur qui dénonce. Qui a le bon sens. Good morning, ma'am. Et vous voyez, mes frères et sœurs, la bonne nouvelle, c'est que la salle n'est plus remplie comme d'habitude. Pour un 31, la salle n'est plus remplie. La salle n'est plus remplie pour un 31. Et ce n'est que les jeunes qui étaient dedans. Les jeunes qui, soit des élèves en France, des étudiants, qui vivent encore chez les parents, s'ils vont même contribuer, peut-être c'est 10 $, 10 €, 15 €, 5 € de fois, même rien parce que c'est les étudiants. Mes frères, donc, ce qui fait que Tengue, quelle honte! Jacqueline Aimé, bonjour, nous, je vois très bien, je vois tes commentaires de temps en temps sur Facebook. J'espère que vous êtes abonné sur notre page Facebook. Abonnez-vous aussi sur YouTube. Non, c'est terrible. Mes frères, quand vous voyez ces choses accomplir, sachez que le Seigneur est proche. Mais je vois l'assistance est calme là. Envoyez des likes. Vous avez mal au dos ou quoi? Vous avez mal au dos ou quoi? Envoyez les likes. Hein? Envoyez les j'aime. Montrez à Facebook que c'est légitime. Parce que avant, quand je voyais les gens dire envoyez les likes, mettez les j'aime, je ne comprenais pas. Mais plus tard, j'ai compris que quand les ennemis sont là pour frapper ce live, ils peuvent nous signaler. Et plus il y a des likes, plus il n'y aura pas de signalement. Ne soyez pas fatigués. Envoyez des likes, envoyez, continuez. Votre doigt doit être là en train d'appuyer. Envoyez, voilà, vous voyez. Alors, c'est bon. Donc, parlant de Tengue, incroyable. Tengue escroque les gens. Il a projeté. Allez suivre la vidéo de Tengue, je vous assure. C'est incroyable ce que Tengue a fait. Voilà ce que je me dis. Je me dis. Voilà. Peut-être que l'image qu'il a projetée, la Porsche et la maison, ce n'est pas pour ceux qui sont dans l'assemblée. C'est peut-être un message psychologique pour faire savoir aux gens. Oui. Vous voyez cette maison. Oui. Vous allez l'acheter pour moi. Vous allez donner les offrandes pendant 2024. Et moi, j'aurai cette maison. Cette Porsche, ce n'est pas pour vous. J'ai besoin de votre argent parce que je ne travaille pas. J'ai besoin de vous pour survivre. Donc, assurez-vous que vous préparez vos poches pour m'acheter ma Porsche pour 2024. Tout à fait. Très bon commentaire, ma soeur. Très bon commentaire. Et c'est la soeur confrontée à côté de moi. Pour ceux qui, la savent, qui ne savent pas, c'est aussi mon épouse, bien-aimée, ma moitié, que Dieu m'a porté ma côte. Et elle est... une aide précieuse, ma moitié que Dieu m'a donné, mon aide derrière ce ministère. Et pour vous qui le savez, Confort est toujours timide. Elle ne commente pas. Des fois, même quand je fais des lives sur Facebook, c'est elle qui conduit. Elle ne commente pas. Mais ce aujourd'hui, si elle commente, c'est que c'est fort. Elle est dépassée. Elle ne commente jamais. Confort ne commente jamais. J'ai jamais vu quelque chose de pareil. Voilà. Quelqu'un qui sautille sur scène pour mettre en moi un esprit de convoitise, sachant qu'il vit aux dépens de vous. Good morning. Parce qu'il ne travaille pas. Ouais. Il a besoin de vous pour payer ses factures. Pour payer ses factures. Pour nourrir sa famille. Gracieux dans mon poids. Il a même beaucoup maigri. Tant pis pour les jaloux. Hein? Tant pis pour les jaloux. Tant pis pour les jaloux. Il ne travaille pas. Tant pis pour les jaloux. Tant pis pour. Quoi, quel jaloux? Tu ne travailles pas. Hein? On l'appelle quoi? C'est une puce ou un tic. Hein? Il est collé sur la colle. Collé, c'est un parasite. Le sang, voilà, un parasite. Parasite de luxe. Tu ne travailles pas en France.
Tu n'as rien. Hein? Mon épouse et moi, nous avons nos boulots, nous travaillons. Regardez, avec tous ceux qui nous suivent, nous donnons l'évangile gratuitement. Si je faisais payer l'évangile, je faisais aussi les croisades. Avec les 450 abonnés de Facebook, avec les croisades payantes, Comfort et moi, nous aurions besoin de travail. Mais nous travaillons. Nous travaillons. À quel prix pour aller après s'agenouiller? Voilà. Hein? Il est tout fier. Et puis à un moment... Ouais, Amando dit amen. Sa gesture change. Son voilà. Visage devient plus humble. Il dit, voilà. Vous savez, c'est la dernière offrande de l'année. Parce qu'il se dit, bon, j'ai fini d'haranguer les foules. Maintenant, il faut que je m'humilie pour demander l'argent dont j'ai besoin pour vivre. C'est ridicule. Très ridicule. Très ridicule. Et nous continuons à dénoncer ces gens avec la plus grande véhémence parce que c'est des escrocs, c'est des bandits. Vraiment des bandits évangéliques. Good morning. Good. Beautiful dog. Beautiful. Uh-huh. Handsome. Oh yeah. Oh, elegant. Yeah, you're right, handsome. Elegant. Voilà, je suis en train de faire le commentaire du chien, quelqu'un qui est derrière, qui avait un chien, il lui dit son chien et les gars, voilà. Qu'il ait précisé handsome parce que beautiful on utilise ça plus pour les femelles, mais lui il a voulu nous faire comprendre. Ah, attention. So he's a male, right? He's a male. Yes. Oh, oh, handsome. Okay. Okay, good. La précision, c'est important. Oh, la précision est importante, voilà. Okay, okay, d'accord, c'est ça. Vous voyez, hein? Aussi, nous devons. Être courtois, gentil, ne serons pas le genre de personne, tu es là fâché, il faut dire bonjour aux voisins que tu rencontres, aux gens qui marchent comme toi. Et ça peut aussi être une porte ouverte pour l'évangile, vous voyez. Donc, soyons sympas, soyons gentils quand nous rencontrons les gens. Mes frères, mes chers aréopagistes de Facebook, ne me dites pas que nous sommes seulement à 150, à 161. Balancez-moi ce live à vos copains. Balancez. Tisha, balance, balance. Venance, tu as balancé à combien de personnes depuis là? Marcel Nguessam, balance à tes contacts, à tous les groupes. Faisons un défi. Dans les 30 minutes ou une heure de temps qu'on est encore ensemble, atteignons 1000. Atteignons 1000. Sylviane, bonjour, balance. Balancez. Rof, bonjour, balancez ce live. On n'a pas évoqué beaucoup de sujets. Hein? Peut-être le sujet. Vous vous rappelez le sujet que Comfort et moi nous avons fait sur la musique. Peut-être qu'on va encore évoquer aussi d'autres sujets. Hein, c'est vraiment terrible, frère Serge. Salut, ma soeur Comfort. Comfort, Louisette Bouya te dit bonjour. Bonjour, Louisette. Je ne peux pas montrer Comfort, elle est tellement timide. Si Comfort parle même aujourd'hui, c'est parce que l'histoire de son frère Tingué, là, non, mon beau frère Tingué. En fait, c'est parce que moi, je me suis toujours dit, le gars suit le vent, il ne connaît pas la vérité, il est naïf dans tout ça. Ouais. Mais en fait, avec cette vidéo, j'ai découvert qu'il est allé loin. Il est devenu ridicule. Il est devenu ridicule. Et il devient un petit, comment dire, une petite figurine de Wafo. Mais bien sûr, Wafo. Quand je le vois, je vois Wafo. Quand je le vois, je vois Wafo. Il n'a plus de personnalité. Et en passant, Comfort, je suis remarqué qu'il est de plus en plus efféminé. Yeah, c'est pour ça que je dis, quand je le vois, je vois Wafo. Yes. Il a perdu sa personnalité. Uh-huh. Le gars nice, le gars gentil, etc., ouais. Que je voyais auparavant. Tout à fait. C'est complètement fini. Il est devenu en plein escroc. En plein escroc. Et ce qui est bien, c'est que la bonne nouvelle, frère de Seine, je ne sais pas si vous avez remarqué, vous qui avez regardé la vidéo de ce jeune influenceur qui dénonce la nuit de la traversée, la salle n'est plus aussi grande comme avant. Les premières rangées, comme on dit en anglais, le front rows, les premières rangées, généralement, c'est les adultes qui ont les moyens et autres. Mais non seulement il n'y avait pas beaucoup de monde dans la salle, le premier rangé, c'est quoi? C'est... Le premier rangé, c'est quoi? C'est les jeunes. Les dernières offrandes de 2023. Quelles sont les offrandes qui vont parler pour votre percée de 2024? Mais ne blaguez pas avec la dernière offrande de l'année. Ah! Quelqu'un me suit ici? Ne blaguez pas avec cette offrande-là. En fait, c'est le diable, chère sœur. C'est le diable. C'est le diable. Donc, avant de continuer, revenons encore un peu sur ce qui t'a choqué. Parce que généralement, je te connais timide. C'est bon qui t'encourage, non, confort, non, te fait un peu... fais un commentaire, dis quelque chose ou bien. Mais là, ça veut dire que si tu as pu intervenir, ça veut dire que tu as été choqué sur le bandit, un Gabonais. C'est les Camerounais qui sont escrocs. Les Congolais encore.
Mais... Il a traversé, il a passé le pas, c'est fini. C'est fini? Il a dû faire, il veut percer. Il a dit qu'il est prêt à tout pour ne pas mourir pauvre. Ouais. Donc, il est prêt à vendre son derrière. Il est prêt? Il est prêt à tout pour ne pas mourir pauvre. Pauvre? Hello, good morning. Donc, ça veut tout dire. Hein? Donc, quand vous voyez ce monsieur vraiment faire ce qu'il a que de faire, c'est terrible. Donc, voilà, mes frères, voilà. Donc, nous sommes dans la joie et la raison pour laquelle j'ai fait dans ce live, conformément, on est en train de causer pour ceux qui viennent de se joindre, on est en train de causer et subitement, on est tombé donc sur son frère, entre guillemets. Conformément, n'est pas quand il dit son frère parce que conformément, dit, ça c'est quel frère qui est escroc bandit Alain Patrick Tengue, Gabonais de la même province, de la même région, Langouyé. Que conforte. Ça, c'est quel bandit. Ça, c'est quel escroc. Les Camerounais sont escrocs. Je rends grâce à Dieu de ce que Dieu m'a délivré de l'escroquerie, moi d'origine camerounaise. Parce que les Camerounais sont nés avec l'escroquerie depuis le ventre de leur mère. Mais un Gabonais n'était pas escroc. Conforte, est-ce que tu penses vraiment que Thierry est Gabonais? Papa, quand Satan entre dans le cœur de quelqu'un, quand Satan entre dans le cœur de quelqu'un, beaucoup de choses se passent, ouais. Il y a beaucoup de changements. Moi, je suis étonnée. Ouais. Moi, je ne savais pas que les Gabonais pouvaient se comporter de manière pareille. Parce que l'homme gabonais était l'homme calme, l'homme timide. Oui. Mais bon, comme Tsenge essaie d'imiter Wafo. Wafo est Gabonais, ok, ok. Donc, il y a une contagion. Non, Confort, tu as un point. You have a point there. You have a point. Tu as un argument, Confort. Parce que justement, je l'ai... Ok, ok. Et comme on le disait, de plus en plus, il est... Quand tu le vois, tu vois un PD. Même la démarche, il a changé. Je le vois, je vois Wafo. C'est comme si Wafo s'était réincarné. Et Wafo et Landry Longti sont en faux. La sœur Confort m'a beaucoup aidé dans mon processus de perte de poids. Ah, waouh! Landry, je suis allé à 87 à 78. Oh là là! Oh là là! Oui, marchez beaucoup. Buvez beaucoup d'eau. Buvez beaucoup d'eau.